publié il y a 7 heures, publié le 6 mai 2018, 13h02 après les audiences télé-réalité de la semaine avec les Marcel et Australia au plus bas et les Anges 10 qui continuent d'être stables, la rédaction de Melty vous propose de continuer le match des audiences avec vos programmes télé fétiches. Sur C8, Touche pas à mon poste s'est fait distancer toute la semaine par Quotidien, en pleine forme même en jour férié. Les émissions en prime time ont également su trouver leur public, en particulier la demi-finale de The Voice et le prime de Koh-Lanta vendredi, très suivi sur TF1. Découvrez ci-dessous les audiences télé de la semaine et ce qui se passera cette semaine dans Les Anges 10, avec Sarah Frézou prête à tout pour séparer Thomas et Léana. Top Chef célébrité mercredi 2 mai, 1 596 000 téléspectateurs. Touche pas à mon poste lundi 30 avril, 1 160 000 téléspectateurs. Mardi 1er mai, 930 000 téléspectateurs. Mercredi 2 mai, 1 220 000 téléspectateurs. Jeudi 3 mai, 1 050 000 téléspectateurs. Vendredi 4 mai, 805 000 téléspectateurs. Quotidien lundi 30 avril, 1 270 000 téléspectateurs. Mardi 1er mai, 1 250 000 téléspectateurs. Mercredi 2 mai, 1 390 000 téléspectateurs. Jeudi 3 mai, 1 090 000 téléspectateurs. Vendredi 4 mai, 1 050 000 téléspectateurs. Koh-Lanta vendredi 4 mai, 4 860 000 téléspectateurs. The Voice samedi 5 mai, 4 562 000 téléspectateurs. Source, Médiamétrie, Crédit, TF1, TF1, TMC, C8, M6, Franck Castel. Bruro 233. Toujours plus de news sur Melty.fr. Qui sommes-nous? Nous contactons nous suivre et annonceurs. Conditions d'utilisation. Info Legals version mobile. Certification ACPM Choco Air of Melty Virgin Radio.